Il y avait une coque. Il y avait une fois. On ne sait plus très bien à quelle époque, mais c'est toujours ainsi que commencent les contes. Il y avait une coque. Il y avait une fois. On ne sait pas non plus si les faits sont exacts, mais qu'importe la vérité si l'on invente bien les mensonges. Il y avait une fois. Il y avait une fois. Mais ce qui est certain, indiscutable, indéniable, c'est que les faits étranges que nous allons vous conter se sont déroulés ici, là même où vous posez les pieds. C'est juste, je peux vous l'assurer. Aussi vrai que conteur rime avec menteur. Donc? Il y avait une cope. Il y avait une fois un homme penché sur les eaux de la Garonne et qui ne pêchait que de l'eau. C'est moi, le Francis des Enroques. Tous les jours, il partait pour la pêche, mais le soir, il ne ramenait jamais. Rien. Les vaches pas qui pêchent. Y'a qu'être trempe d'une toupilette. Eh bien, soit, ce soir, je te ferai une soupe de trou. Femme, si l'on pêche qu'il déchire mes filets, c'est parce qu'ils sont mal rapiécés. Comment? On ne fait pas de neuf avec du vieux. Et si tu ramenais du poisson, on pourrait peut-être en acheter des neufs. Mon père pêchait avec ses filets. J'en achèterai pas d'autres. Est-ce que tu et mes fils pêcheront avec. Qu'en fait, mon pauvre Francis? Viens plus à la chapelle. Qu'est-ce qu'il sèche? Qu'est-ce qu'il parle et arrête de se passe. Mais dans qui que t'attrapille? Un soir, de guerre lasse, la femme dit au pêcheur: tous les jours, tu t'en vas rôder à la pêche et tu ne rapportes jamais rien. Il te faudra bientôt prendre un autre métier ou bien nous crèverons de faim. Alors le pauvre pêcheur a pris une grande décision. Eh bien, ma femme, demain, j'irai pêcher pour la dernière fois. Et si je ne rapporte rien, je te quitterai, je m'en irai. Tiens, pour me punir, je quitterai la Gascogne. On ira à Paris. Le lendemain, le voilà donc à la pêche, sur les bords de la Garonne, là où il était toujours venu. À peine a-t-il tendu son filet, qu'une étrange musique se fait entendre. Chaque jour, plus de poissons que tu n'en as jamais rêvé. Je t'en fais le serment. Prends donc ce filet plat qui est à tes pieds et rentre chez toi. Le pêcheur a fait ce jour-là ce que lui a dit la reine des Alouses. Tout heureux, son filet sur l'épaule, il s'en est retourné chez lui. Pour que sa femme n'aille pas s'imaginer qu'elle canguille sous roche, le pêcheur a bien dû parler de la reine des Alouses et de tout ce qui s'était passé. Il a dit le feu brillant des écailles, les nageoires en or, la voix aux éclats de fifre, les frétillements de rondeaux, des poissons magnifiques. Et la femme a une de ses envies de femme, une de ses envies auxquelles rien, et surtout pas un homme, ne saurait résister. Elle dit à son mari... Tu l'attrapes, tu me la porteras, car je veux la manger. Oh non. Aussi. Oh non. Aussi. Oh non. Le jour suivant, le pêcheur a pris dans son filet la lose merveilleuse.
désespéré, il ne l'a pas remise à l'eau. Reine des Allons, pardonne-moi, mais ma femme te désire trop. Il faut que je t'emporte. L'Allons n'a guère paru surprise des paroles du pêcheur. Je ne t'en veux pas. Je vous sais, braves gens, tous les deux. Que ta femme mange donc, mais écoute bien ce conseil. Mets mon sang dans une fiole et pose-la sur la cheminée. Si le sang dans la fiole se met à bouillonner, c'est qu'un membre de ta famille sera en grand danger. Ensuite, coupe-moi en morceaux. Donne-en trois parts à ta femme, trois à ta jument et trois à ta chienne, et enterre mes restes au fond de ton jardin. À quelques temps de là, ta femme aura trois fils, ta jument trois poulains et ta chienne trois chiots. Et au fond de ton jardin pousseront trois épées. Le pêcheur a fait comme lui avait dit de faire la reine des Allons, et quelques temps plus tard, sa femme a mis au monde trois beaux garçons. Sa jument a eu trois poulains, sa chienne a eu trois chiots. Au fond de son jardin, trois épées étaient sorties de terre et dressaient fièrement leurs lames vers le ciel de Gascogne. Ce qui est arrivé plus tard, quand les fils furent devenus grands... Vous le saurez, si vous le suivez, au son des fifres et des tambours. Mais non, au son des tambours et des fifres. Excusez-moi, hein. Je pars. Vite, Coco.
Il bouge! Ça change tout! Alors on a fêté le départ du premier des trois fils du pêcheur. Je veux embrasser ma mère! Va, mon fils, va! Allez, va, mon fils, va! Non, je pars! À bientôt, mes amis! À bientôt! À bientôt! Vive, Coco! Alors, on a fêté le départ du premier des trois fils du pêcheur! À bientôt! Adieu, ma belle Garonne, cheveux bleus de mon enfance. Aujourd'hui, j'abandonne le lit douillet de Marie-France. Qui c'est celle-là, Marie-France? Mais je sais pas, moi. C'est pour la rime, c'est de la poésie. Eh bien, t'as beaucoup. Ah, bah, c'est bien, mon fils. Mais finis la poésie. En route. Voilà, je pars. Mais oui, tu pars. Bon. Allez, du coco. Alors, on a fêté le départ du premier des trois fils du pêcheur. À bientôt, Jean! Dans le pays où son cheval l'a mené, tout le monde était en deuil. Jamais personne n'a essayé de tuer cette bête. Eh si, mais nul n'en est jamais revenu.
À qui nous débarrassera de la bête à sept têtes, le prince de la Manne offre la somme de 10 euros. Oh, 10 euros. Oui, 10 euros. Et sa fille en mariage. Ah. Et où cette demoiselle doit-elle se rendre? À l'orée du bois, alors qu'on dit être entre chien et loup. Je m'en vais de ce pas, vous débarrasser de cette bête abominable. Oh mon pauvre garçon, n'en faites rien surtout. Vous serez dévoré tout comme les autres. Oh hé, mais ne craignez rien, hé. Je suis pas si fou que ça, hein. J'ai mon cheval. Et mon chien. Et mon épée. Allez, rentrez chez vous. Je vais tuer la bête. La princesse attendait fièrement la venue du monstre à sept têtes. Je suis la princesse. J'attends fièrement la venue de la bête. Brusquement, dans un éclat de tonnerre, la bête apparut. Un grand silence. Courageusement, la malheureuse princesse défiait le monstre. Oh, la sale bête! Merde! Quelle est laide! Quelle est laide! C'est alors qu'au grand galop, j'en surgis devant le monstre. Magique. Son chien s'élança vers la bête et le combat s'engagea. Et Jean coupa la première tête. La bête lui a dit: je suis plus forte que jamais. Tu m'as coupé une tête, mais il m'en reste six. Et le combat reprit. Coupa une deuxième tête. La bête lui a dit: je suis plus forte que jamais. Tu m'as coupé deux têtes, mais il m'en reste cinq. Quatre fois de suite, le chien s'est jeté sur la bête. Quatre fois de suite, Jean de son épée lui a coupé une nouvelle tête. Si bien qu'au bout du compte, il n'en restait plus qu'une. La bête, toujours aussi féroce, n'a pas voulu céder. Je suis plus forte que jamais. Je te mangerai, toi, la fille du roi et ton chien de misère. Et le combat reprit. Et Jean, de son épée, coupa enfin la dernière et ultime tête de la bête. De la bête endetté. Près du cadavre fumant de l'ignoble créature, la jeune princesse a chaleureusement remercié Jean de l'avoir sauvé. Non, de rien. Oh, merci. Merci. Mais non. Mais si. Après cette scène émouvante, la princesse voulut tout de suite revenir Jean auprès de son père, le roi. Mon père a promis de me donner en mariage à celui qui me sauverait des griffes de la bête. Venez donc avec moi auprès de lui. Pour ce qui est de moi, je vous aime déjà.
Non, gentille demoiselle. Bien que mon cœur batte pour vous, je ne vous suivrai pas. Mais pourquoi? J'ai promis à papa de rentrer chez moi. C'est bien dommage. Je suis déçue. Moi aussi, je suis déçue. Moins que moi. Non, pareil. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Et la dispute s'envenima et dura jusqu'à minuit. Preuve évidente que les deux jeunes gens feraient un couple uni. Après quelques secondes de bouderie, Jean reprit la parole. Afin d'avoir un bon macho, le dernier mot. Donnez-moi votre mouchoir blanc, afin que j'enferme les langues de la bête et que je les emporte. Dans un an et un jour, je serai près du roi, votre père. Et si vous m'avez attendu, je vous épouserai. Jean a fait comme il lui avait dit. Il a coupé les sept langues qui pendaient des sept têtes de la bête, et puis il les a serrées dans le mouchoir immaculé. Et il s'en est allé. Comment vas-tu ce matin? Bien, mon papa joli. Je rêve.
à ton futur mari. J'espère que ce sera lui. Ah, je m'en réjouis, Pépilita. Alors, des trois charbonniers, lequel as-tu choisi? Aucun, mon papa joli. Comment? Je suis bien embêtée, hein. J'ai promis aux trois. Mais tu ne peux pas les épouser tous les trois. Bien sûr que non, mon papa joli. Choisis celui que tu voudras. C'est que précisément, je ne sais pas. Il te faudra pourtant bien te décider un jour. J'ai bien le temps, mon papa joli. J'ai bien le temps. Comme tu voudras, fifille. Mais je reviendrai. Effectivement, une semaine plus tard, le roi retournait voir sa fille. Bonjour, ma fille. Bonjour, mon papa joli. Comment vas-tu ce matin? Bien, mon papa joli. Je rêve. Ah, ton futur mari? Ah, je m'en réjouis, pipille. Alors, des trois charbonniers, lequel as-tu choisi? Aucun, mon papa joli. Comment? Ils sont tous les trois couverts de charbon. Je ne veux pas savoir quel est le plus mignon. Diable, diable. Allons vite. Sortez brosses et grattoirs. Que l'on savonne les charbonniers. Apprécie-moi pourtant. C'est dans ton pressant désir de son père de l'avoir marié. La princesse a fixé le jour des épousailles 6 mois et 1 jour plus tard. Ce jour-là, cela ferait 1 an et 1 jour que son sauveur, Jean, l'aîné des trois fils du pêcheur, serait parti. C'est pourquoi, peu lui apporter lequel des charbonniers, il fallait choisir. Le roi! Le roi! Bonjour, ma fille. Bonjour, mon papa joli. Alors dis-moi, je t'en supplie, lequel as-tu choisi? Le troisième. Le troisième? Lequel est-ce? Voyons, mon papa joli, le plus sale des trois. Le plus sale? Ah bon? Mais je veux qu'il soit propre pour le jour de mes noces. Je comprends ça, fifille. Allons, laissez les deux autres macérer dans leur bain et que l'on me brosse ce troisième garçon, qu'on le savonne matin et soir. Je veux qu'il soit propre pour le jour des noces. Pendant 6 mois, les domestiques et les servantes savonnèrent le charbonnier chaque matin et chaque soir, de la tête jusqu'aux pieds. Au bout de 6 mois, tout le savon avait fondu, il n'en restait plus rien. Au grand émoi de la princesse, le jour fixé pour les noces est arrivé. Oyez, oyez, braves gens! Demain, à midi, le roi marie sa fille. Et tout le monde est invité. Tu l'as vu? Je vais nous marier. Oui,
Il a mis la pistole à deux maisons de chez moi. Il est comment? Ah, je ne sais pas. Il est noir comme du charbon. Bien sûr, c'est un charbon. Quand on travaille, on se salit. J'arrive, j'arrive. Il revient dans la cave, oui. Ouais. Ah, ma chère. Dans mes affaires uniques, un charbonnier, quelle mésalliance! À qui le dites-vous, madame Frudagas? Il est venu se perdre. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce manant? Il a tué la bête. Évidemment. Oui, évidemment. Mais nous ne sommes toujours pas débarrassés de la sorcière, madame Dubonchette. Ni de ses sœurs. Croyez-vous qu'elles y sont pour quelque chose, madame Pichelou? Dieu seul le sait. Dieu seul le sait, madame Frudagas. On dit que jeune, elles étaient très belles. Mais très autoritaire. Et oui, ce furent des amis dans le temps, ce monsieur Blanchette. Mais ne dit-on pas que les plus belles femmes deviennent plus laides en vieillissant? C'est bien vrai ça, mais toi, tu risques pas grand-chose. Petite insolente. La mode aujourd'hui de flatter le poivre, tu espérais un sourire. Oh, ces personnages, mes chers, je vous prie, quittons ces lieux. Quoi, venez les enfants, venez. Tu as fini ton travail? Oui, tout prenez. Tout le trousseau, la presse est rien fait. Non, elle n'a rien fait. C'est toujours la même chose avec les presses. On fait tout le travail, ils en profitent. Et on en remercie. Yeah.
les gens de ce pays qui, à un an, étaient si tristes, sont si gais aujourd'hui. Ah, mon bon monsieur, quelle merveilleuse histoire! Il y a un an, notre princesse, qui allait être dévorée par la bête à sept têtes, a été finalement sauvée par trois courageux charbonniers. Trois charbonniers? Oui, trois charbonniers. Ah bon? Qui vous l'a dit? Ben, la princesse, voyons. Ah bon? La princesse? Eh ben oui. Et c'est pourquoi dès demain, elle doit épouser l'un d'eux, comme le roi l'avait promis. Et c'est pour ça que toute la ville est en fête. Écoutez la musique. Une sourde angoisse lui secoue la poitrine quand le roi a invité Jean à s'asseoir à sa table. Ainsi donc, monsieur, vous avez tué la bête à sept têtes et sauvé la fille du roi. Mes félicitations. C'est vrai, il a eu un grand courage. Pas plus que ses deux frères, mon papa joli. C'est juste, Fifi. Ils s'y sont mis à trois pour faire cet exploit. Trois hommes valeureux. Oui, je n'en suis pas si sûr. Pourquoi dites-vous cela? Les sept têtes qu'ils ont rapportées de leur combat sont bien la preuve de leur bravoure. Et si, lequel croiriez-vous plutôt? Celui qui a les têtes de la bête ou celui qui a ses sept langues? Celui qui a les langues, bien sûr. Eh bien, demandez donc à ce valeureux combattant si les têtes qu'il a rapportées possèdent bien leur langue. Eh bien, monsieur, seriez-vous donc devenu soudainement muet? Auriez-vous donc perdu la langue? Ou plutôt les langues! À ces mots, Jean a sorti le mouchoir blanc sur lequel était brodé le nom de la princesse. Quand il a dénoué le mouchoir, les sept langues de la bête sont tombées à ses pieds. Et alors, Jean a demandé à la princesse de dire, là, devant le roi, qui avait terrassé ce jour-là la bête à sept têtes. Voilà, la princesse, délivrée de la promesse faite aux trois charbonniers, a désigné Jean. Elle a raconté comment il avait tué la bête à l'aide de son cheval et de son chien.
Elle a dit aussi comment les trois charbonniers l'avaient menacée de lui couper la tête si elle ne disait pas qu'ils étaient ses sauveurs. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Le roi a ordonné qu'on lui en enferme sur le champ les trois brigands. Le lendemain, on a fêté dans la joie les noces du fils du pêcheur et de la fille du roi. Le soir, après le repas, les mariés ont quitté l'assemblée pour rejoindre la chambre nuptiale à l'étage du château. Quelle est donc cette lueur que j'aperçois là-bas? Mon amie ne la regarde jamais plus. Tous ceux qui sont allés vers elle n'en sont jamais revenus. Pourtant, on dirait un château qui brûle. Chaque nuit, je le vois. On dit qu'il est habité par de vieilles fées malfaisantes. Ne restez pas à cette fenêtre. Venez vous coucher, mon ami. D'accord. Je vous souhaite une bonne nuit, mamie. Et que je ne m'endorme pas. Ah bon? Vous avez faim, peut-être? Non, mon ami, non. Vous voulez un verre d'eau? Mais non. Et quoi donc? Ben, je croyais que... Bon, j'en parlerai demain, mon papa joli. Bien, j'éteins la bougie. Dès que la princesse a été endormie, Jean s'est relevé sans bruit. Il a pris son cheval, son chien et son épée pour aller voir ce qu'il en était de ce château maudit. Arrivé devant le château maudit, Jean a frappé à la porte. Trois vieilles femmes, aux cheveux si longs qu'ils traînent jusqu'à terre, plus laides que laides, pures, osseuses et dentées, l'ont accueilli avec rudesse. Qui nous dérange à cette heure de la nuit? C'est moi! Mon cheval et mon chien! J'ai vu de la lumière alors! Évitez les boniments! Soyez les brefs! Répondez votre nom! Jean! Vous êtes étranger? Oh, je suis des Arocs! Je m'en doutais! Vous sentez le poisson! Ma fille! Oh, je vous en prie, hein! D'où venez-vous? De la manne! J'ai glissé dans le virage du chou et je suis passé par la maison du diable. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Ah bon, pourtant j'avais goût ici. On n'en parle pas non plus. Retenez votre chien, il va nous manger. Excusez-moi, mais j'ai pas de corps pour la manger. Prenez donc un de mes cheveux. À peine a-t-il arraché le cheveu de la vieille que les voilà métamorphosés en statue de pierre. Lui, son cheval et son chien. Si bien que le lendemain matin, la princesse ne l'a plus trouvé à ses côtés. Mais où est-il? Jean! Je vais dire ça à mon papa. Tout le monde les a cherchés, mais on n'a plus trouvé ni le cavalier, ni le cheval, ni le chien. Cher, le sang de la reine des Alloges s'est mis à bouillonner dans la fiole. La fiole, elle bouillonne. Mais je le vois bien qu'elle bouillonne. Alors les deux frères ont voulu savoir ce qui était arrivé à leur aîné. Pierre, le second frère, s'est mis en route le jour même. Mon cheval! Son cheval! Son cheval! Il a sifflé son chien. Paf! Paf! C'est moi! Le pêcheur, son père, lui a confié une épée. Mais pas mon fils, l'épée magique de la reine. Merci, papa. Papa! Puis va. Et l'on a fêté le départ du second des trois fils du pêcheur. Oui, papa!
aujourd'hui d'abandonne. Mais le lit douillet de Marie-France. Qui s'appelle là Marie-France? Ah ben je sais pas, c'est pour la rime, hein. C'est de la poésie. Mais c'est pas des bousins. Écoutez plutôt. Adieu ma belle Garonne, probable de mon enfance. Aujourd'hui d'abandonne, le lit douillet de mon enfance. Ouais ben moi je préfère Marie-France. Bon d'accord, alors plus de poésie. De pas. Ouais c'est ça, pas. Hu coco. Ayant franchi les portes de la ville, Jean s'en vint à passer près du château du roi. La princesse, depuis la terrasse du palais, scrutait l'horizon pour voir si son mari revenait. Je ne vois que le ciel qui rougeoie et l'herbe qui verdoie. En le voyant passer, elle a cru que c'était lui, tant les frères se ressemblaient. Vous voilà donc enfin revenu, mon mari. Vous avez bien tardé à me rejoindre. Excusez-moi, mamie, mais j'avais donné des ordres, on les a pas exécutés. J'ai dû faire la faute moi-même. Que l'on ne s'étonne pas ici de la réponse de Pierre, c'est qu'il avait compris que son frère avait épousé celle qui lui parlait. Je suis bien heureux de vous revoir, mon gendre. Mais moi aussi, mon père. Papa Joli. Pardon, Papa Joli. Dites-moi, entre hommes, ne faites pas comme la nuit dernière. Décidez-vous. Vous me comprenez? Après avoir dîné à la table du roi, la princesse et celui qu'elle prenait pour son mari sont montés se coucher. Et puis se répétita. Quelle est donc cette lueur que t'aperçois là-bas? Mon ami, vous me l'avez déjà demandé. C'est donc que je ne m'en souviens plus, mamie. Je vous ai déjà dit qu'il s'agit d'un château hanté par de vieilles fées malfaisantes. Ne restez pas à cette fenêtre. Venez vous coucher, mon ami. D'accord. Je vous souhaite une bonne nuit, mamie. C'est que je ne m'endors pas. Ah bon? Vous avez faim, peut-être? Non, mon ami, non. Vous voulez un verre d'eau? Mais non. Et quoi donc? Je croyais... Papa, je vous ai rien dit. Qui fait, ami? Qui fait? On n'a rien compris. Bon, t'es dans la boutique. La princesse endormie. Pierre, son cheval et son chien sont partis pour le château maudit, où les mêmes sorcières l'ont aussi mal reçu. Et les mêmes causes entraînant les mêmes effets. Pierre, son cheval et son chien se sont retrouvés pétrifiés. Et jamais statue de Pierre n'avait si bien porté son nom. Il avait avec lui son cheval, son chien, son épée et la fiole, pleine du sang de la reine des Allos. La princesse, en le voyant passer, l'a pris pour son mari. Et comme il n'était pas moins malin que son aîné, Mickey a joué le jeu. Ce qui n'était pas désagréable, ma foi. Et sitôt dans la chambre, il a questionné la princesse, tout comme ses frères, au sujet de ce mystérieux château en feu. Je vous ai déjà dit par deux fois que ce château brûlait ainsi toute la nuit. On dit que de vieilles sorcières malfaisantes habitent là, mais je n'en sais pas davantage, car nul n'en est jamais revenu. Couchez-vous, mon ami. D'accord, viens dans la bougie. Oh, sitôt la princesse endormie, Mickey-Ou, le plus jeune des frères, est parti pour le château maudit. Pourtant, quand les trois vieilles lui ont demandé de retenir son chien, il n'a pas hésité.
Il a lâché son chien dans les jupes des vieilles sans autre forme de procès. Et les trois sorcières s'enfuirent sur leurs manches avalées, on ne les a plus jamais revues. Alors Mikéou a pris la fiole. Alors Mikéou a pris la fiole. Et il a jeté le sang de la reine des Alondes sur les statues de pierre. Immédiatement, Pierre et Jean ont repris leur forme humaine. Et sans perdre une minute, les trois frères sont remontés sur leurs chevaux. Ils ont appelé leurs trois chiens. Biche, paf, pouf. Ils ont rangé leurs épées. Et puis, ils sont arrivés aux portes de la ville. Jean, qui était marié à la princesse, est rentré aussitôt au château. La princesse dormait encore. Il s'est glissé dans le lit, tout près d'elle, et ils se sont enfin unis pour le meilleur. Le pire étant passé. Quant aux deux frères, ils sont rentrés chez leurs parents. Et ils sont devenus, tout comme leur père, pêcheurs d'Alose, sur les rives de la Garonne. Et sous la cheminée des pêcheurs, le sang de la reine des Alose est demeuré à jamais aussi beau et limpide qu'un vin de Bordeaux dans sa bouteille. Chaque année, pour fêter la mort de la bête à sept têtes. Et honorer la mémoire de la reine des Alouses. Une grande fête a lieu sur les bords de la Garonne. La Louse en est la reine et le fifre, le roi.